liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con. Bon, bonjour tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter deux sujets dans ce Parole de citoyen. On va parler du RSA jeune. Tu es venu pour ça, Vincent. Et Antonia, tu viens nous parler du fait que les apatistes vont venir en Europe. Exactement. Alors, tu nous expliqueras mieux ce que c'est les apatistes. Très bien. On commence d'abord avec toi, Vincent, sur ce RSA jeune. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ça? Qu'est-ce que je vais vous dire sur ça? D'abord que donc vous expliquer que il y a eu une proposition de loi qui a été déposée donc le 23 mars 2021 par le banc de l'Assemblée donc des Insoumis, tous les députés insoumis portés en majorité par François Ruffin. Donc cette proposition de loi vise à éteindre le revenu de solidarité actif pour les jeunes de 18 à 25 ans, donc éteindre ce RSA là. Et cette semaine, donc mercredi dernier, je crois, ce texte est passé en commission à l'Assemblée, et en fait, ça convenait pas. Et pourquoi ça convenait pas? Ce qui était proposé et présenté en commission, pour la majorité des autres députés qui étaient présents, LREM, LR ou encore des gens du centre, c'était pour eux, ils étaient d'accord sur le constat que les jeunes souffrent, mais pour eux c'est pas la solution, il y a déjà des aides. Et ce que rappelle ce projet de loi, c'est que il y a la majorité politique à 18 ans, donc un Français peut voter, et la majorité pénale à 18 ans, un Français peut être emprisonné. Pourquoi on n'a pas le droit à la majorité sociale à 18 ans? Pourquoi on ne peut pas vivre décemment avec une majorité sociale? Donc ils sont d'accord sur le fait que c'est difficile pour les jeunes, qu'ils sont majeurs, mais ils ne sont pas d'accord pour les aider. C'est ça. En gros, c'est ça. Alors, RSA jeune, mais ça n'existe pas, RSA jeune? Ben si. Ah, il y a déjà RSA jeune qui existe. Même moi, en travaillant pour cette émission de radio, j'étais étonné quand je suis tombé sur ça. En plus, venant d'une source officielle, le site du service public français, un truc bien officiel, qui nous dit qu'un RSA jeune existe pour les jeunes de 18 à 25 ans, français ou étrangers, mais il faut justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle pour bénéficier de ce RSA. Donc en fait, ils nous vendent un RSA, mais il faut avoir travaillé, quoi. Il faut avoir prouvé qu'on a travaillé. Mais ça s'appelle le chômage, ça s'appelle, non? Je pense. Mais là, ils l'appellent RSA. C'est ça. Ils ont mis un masque, ils l'ont caché, je sais pas, ils ont. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Et toi Antonia, tu parlais de Lyon, du fait qu'ils s'en préoccupent aussi des jeunes à Lyon. Et oui, parce que en mars dernier, donc la métropole a voté donc une aide pour les jeunes qui font pas d'études et donc qui va être effectif à partir du mois de juin. Donc ça sera entre 300 et 400 euros par mois. Alors là, c'est la métropole de Lyon, c'est-à-dire que en fait, on se retrouve avec des villes, des grandes villes, qui sont obligées de pallier au manque de l'État. Exactement, c'est ce qui a été donc voté récemment, vu la situation précaire des jeunes, notamment d'accord, des cités. D'accord, oui. Vincent, tu n'as peut-être pas fini, parce que tu parlais aussi de garantie jeune. Hein. C'est ça, et c'est bien ce qui a été rappelé lors de cette commission par les députés de l'opposition, c'est qu'il existe les garanties jeunes, et pour eux, ça leur satisfait amplement, et qu'en grossièrement, ils nous répondent, contentez-vous de cette garantie jeune, et nous faites pas chier. Et cette garantie jeune, il y a très peu de gens, il y a très peu de personnes qui peuvent y en bénéficier, parce qu'en fait, les profils sont très variés en France. Et il y a actuellement, avec la crise du Covid et la crise sanitaire, beaucoup de jeunes qui se retrouvent ni dans ce RSA jeune, ni dans cette garantie jeune qui est subventionnée à hauteur de 500 euros. 500 euros. Ouais, ce qui n'est pas suffisant pour vivre. Alors, garantie jeune, et tu me disais, c'est l'émission locale qui... C'est l'émission locale. Donc, pour bénéficier de la garantie jeune, qui, je ne crache pas quand même dessus, parce qu'elle sert à certains jeunes, il faut pour en bénéficier se contacter, s'adresser directement à sa mission locale, donc de son lieu de résidence. Oui.
Et là, ils pourront vous expliquer si vous rentrez dans les clous pour bénéficier de cette garantie jeune. Et là, tu expliquais tout à l'heure que en fait, c'était pour des profils très précaires. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionne donc que pour des gens qui sont vraiment dans des situations très délicates. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir pension alimentaire, naissance versée. Il faut pas d'allocation de chômage. Il faut pas d'allocation d'adultes handicapés. Il faut pas de RSA actif. Il faut pas prime d'activité. Enfin, il faut quasiment rien. Il faut être tout nu, à poil, pour bénéficier de la garantie jeune, quoi. D'accord. Moi, je me rappelle quand même qu'un petit commentaire de Macron expliquant que bah, lui aussi savait ce que c'était la précarité et ne pas avoir beaucoup de sous, puisqu'il n'avait que 1000 euros quand il était étudiant, comme argent de poche. On voit qu'on n'est pas dans le même monde. Alors, toi, tu es sensibilisé à ce problème de RSA. Pourquoi? Bah, parce que ça te concerne, toi, c'est en ça. Fait. Hein, ça me concerne, moi. Et pourquoi alors? Mais parce que j'ai une activité, dernière activité récente que j'ai eue, et la seule, c'était une mission locale, un service civique. J'ai fait un service civique, donc ce qui remplace le service militaire. Et en fait, donc c'est une activité qui est faite, qui peut être fait par dans différents endroits, associations, administration française ou autre. Moi, je l'ai fait au sein d'une agence de Pôle Emploi. Et ce qui est problématique, c'est qu'on est rémunéré 580 euros quand on le fait, ce qui est pas suffisant. Et quand on en sort, eh ben, on n'est pas reconnu pour les allocations chômage, ni pour le RSA jeune, ni pour quoi que ce soit. Donc, alors attends, donc tu fais un service civique, tu es rémunéré 580 euros pour un mi-temps, c'est ça? C'est ça, un mi-temps, donc les horaires du lundi au mardi, du lundi au vendredi. De 8h à 13h, quoi, quelque chose. D'accord. Et en fait, quand tu étais à ce poste-là, tu étais à Pôle emploi. C'est ça. Et tu as bossé. J'ai bossé sur de l'accueil, donc j'ai fait ce qui est la mission d'un service civique en agence de Pôle emploi. Donc aider le public sur les postes d'informatique de l'accueil, les aider, les orienter vers les différents services, les différents bureaux. Et en fait, moi, j'étais amené à faire des fonctions, à avoir des fonctions et à faire des choses de CDD d'accueil. Donc, des contrats qui sont quand même précaires, mais quand même un peu plus rémunérés. Et du coup, moi, je me voyais avec cette somme-là à la fin du mois et avoir fait quasiment autant de travail qu'une collègue qui est assise derrière son bureau à renseigner quelqu'un, voire des fois renseigner, c'est un peu flou. Donc voilà, quoi, c'est ce qui est embêtant. Donc, service civique, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, tu t'engageais pour un service servant l'intérêt général. C'est ça. Hein, voilà. Et tu en attendais peut-être un petit peu plus de considération que exactement. Ce que tu en as à la sortie. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, ça ne t'a servi à rien? Ça ne te donne droit à rien? Ça ne donne droit à rien du tout. Ni à chômage, ni à rien? Non. C'est ça. Et sur ça, je voudrais juste rajouter une chose. C'est que pour rappeler une chose, c'est que le soupçon qui plane sur les jeunes comme sur les pauvres actuellement en France, qui est qu'avec 580 euros on se reposerait sur ses indemnités, sur son canapé et qu'on resterait dans sa télé, ce qui est la crainte des députés de l'opposition et de beaucoup de Français. Moi, je tiens à dire que c'est pas le cas. Si on a besoin de cet argent, c'est pour vivre décemment et pour s'en sortir, être autonome chez ses parents, autonome dans ses études, autonome partout, parce qu'actuellement on est des millions de jeunes à plus pas en pouvoir, certains pensent au suicide, certains sont suivis par des psys, et vraiment cette jeunesse-là, on est en train de la sacrifier, et c'est pas la solution. Ouais. Merci beaucoup pour ce sujet-là. Alors, deuxième sujet, Antonia, tu voulais nous parler des apatistes. Alors, qu'est-ce que les apatistes? Donc, les apatistes sont des indigènes mayas qui vivent dans le sud du Mexique, dans l'état du Chiapas. Donc, depuis presque 30 ans, donc, les apatistes luttent et construisent leur autonomie afin de vivre libre et dignement. Alors, c'est vrai que depuis 1994, donc, les apatistes ont décidé de les prendre leur destin en main. Et donc, suite à ce échec qu'il y a eu avec les différents gouvernements, donc, ils ont décidé de devenir autonomes. Donc, alors, à l'intérieur de l'État du Mexique, ils ont quasiment fait une partition, en fait. Oui, parce que justement, ils sont pris ce qu'on appelle des zones. Et donc, ils se sont répartis en zones, et donc avec un étendue qui est égal à la Belgique. Aussi grande que la Belgique. Oui. Et donc, parce qu'on table sur 150 000 sapatistes qui se sont organisés donc, en assemblée populaire
avec un représentant, avec un mandat révocable et non payé. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des sortes de décisions qui concernent la justice, l'éducation, pour tous les sabbatistes hein, qui vivent donc dans ces communautés. Mmh. Et là, donc, ils sont décidés de faire une tournée donc, en Europe pour commémorer donc, les 5 siècles de colonisation espagnole. Et donc, ils vont faire un tour dans des différents pays en Europe. Ils vont aller en Italie, en Allemagne, et bien évidemment, ils viennent en France. Parce que tu l'expliquais un peu, et il me semble que c'est important de le préciser, c'est qu'eux, donc, ils sont indigènes, donc... Ils sont originaires de cette terre. Oui, hein, oui. Et les Blancs sont venus les envahir pour remettre les choses dans le bon sens, quand même. Et en fait, c'est eux qui n'ont pas de droit. Ces indigènes qui sont du cru, qui sont nés là et depuis ces générations, c'est eux qui se retrouvent sans droit. Donc en fait, ils gèrent ces territoires pour se réapproprier les droits. Et oui, exactement, ils ont pris conscience que c'est leur terre et que c'est à eux de prendre des décisions qui concernent l'intérêt commun. Alors, justement, puisqu'ils viennent en France pendant cette tournée, ils sont demandés, bon, donc il y a des différentes rencontres qui sont donc fixées, et ils sont demandés de rencontrer les Gilets jaunes. Voilà, ils viennent rencontrer les Gilets jaunes. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un collectif au niveau national qui s'est constitué, bien entendu, qui viennent des Commercy, des Saint-Dizier, vers les Ducs, Saint-Nazaire, et donc une autre assemblée Gilets jaunes Sud-Ardèche va prendre donc part à l'organisation, notamment de l'accueil de ces délégations qui conformaient quand même des 180 sabbatistes, une grande majorité des femmes, qui viennent et donc besoin d'organiser. Pour resituer la chose, donc ces apatistes viennent en Europe, ils viennent en France, ils vont rencontrer les Gilets jaunes, mais c'est pas la seule chose qui les intéresse au départ. Ils viennent en Europe pour commémorer ces 500 ans. Donc ils vont rencontrer plein de gens dans plein de pays européens. Oui, surtout rencontrer les peuples en lutte. Si l'on voit, qu'est-ce qu'ils disent les sabbatistes pour vivre et non survivre, hein, pour construire une égalité d'une justice sociale, pour se battre contre ceux qui décidaient à leur place de les exploiter, hein, c'est ce que tu viens de dire, et pour reprendre en main leur destin et construire une démocratie réelle. D'accord. Donc, ce sont donc les fondamentaux des Gilets jaunes. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on organise, il y a un collectif qui s'est organisé, et normalement, ils doivent donc arriver, c'est prévu entre le 31 juillet, donc la rencontre, ça va se passer entre le 31 juillet et le 12 août. Donc, nous allons participer à ces deux réunions. Alors, toi, Antonia, tu vas y participer, toi. Oui, exactement. Donc, je suis partante donc, pour organiser. On a pris déjà contact. Et c'est surtout qu'on est en train de travailler sur le fond donc, de la rencontre. C'est-à-dire parce que tout l'aspect de l'organisation est déjà pris en charge par la Commission nationale et régionale d'aide aux sabbatistes. Et donc, c'est à nous d'organiser. Donc, il y a une commission nationale et régionale d'aide aux apatistes. Et oui, c'est ce que j'ai découvert aussi. D'accord. C'est vraiment constitué pour venir en aide donc, à ces peuples. Et c'est surtout pour échanger au niveau de nos différentes luttes et revendications. D'accord. Et donc, l'événement se passe quand exactement, les dates, c'est quoi? Oui, les dates, donc c'est entre le 31 juillet et le 2 août de cette année. Et donc c'est prévu. 3 jours. Oui, ça va se faire sur 3 jours. Donc il y aura un premier jour où tous les Gilets jaunes vont se réunir. Et ça va nous permettre de pouvoir aussi, c'est une occasion de pouvoir nous rassembler et pouvoir vraiment échanger, parce qu'avec ces derniers temps, on n'a pas pu donc discuter directement. Et donc il y aura 2 jours avec les apatistes. 2 jours avec les apatistes. Donc, on peut supposer des ateliers de travail sur justement qu'est-ce que c'est l'autonomie, qu'est-ce que c'est gérer son territoire, des choses comme ça. Et oui, exactement, c'est ça. On est vraiment dans l'expectative de pouvoir échanger, notamment à ces sujets. Et eux aussi, de leur part aussi, ce qui nous a fait chaud au cœur, c'est qu'ils sont demandés de rencontrer les Gilets jaunes. D'accord. Voilà. Bon, super, super, super projet quand même. Et donc là, tu y vas avec qui?
avec d'autres gilets jaunes. Donc, oui. On est en train de s'organiser au niveau régional. Donc, on a pris déjà contact avec les gilets jaunes de Montélimar. Et donc, normalement, ils sont partants aussi avec nous pour pouvoir les rencontrer à Commercy. Bon, super plan. Merci beaucoup, Antonia. Merci à toi, Vincent. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.